Une qualité, donc un défaut de Juliette. Elle rigole trop. Une qualité, elle est perfectionniste, elle va au bout des choses. Puis un défaut, bah, il n'y en a pas spécialement. Enfin, Juliette, elle rigole tout le temps, elle fait des blagues pour rien. Elle est pas trop sérieuse, mais dès qu'il y a les combats et dès qu'il faut y aller, elle y va, elle est à fond. Bonjour Juliette. Alors, quelle émotion as-tu éprouvée lorsque tu as gagné cette finale du championnat de France? J'ai eu beaucoup de joie lorsque j'ai gagné cette victoire. J'ai beaucoup de fierté pour ma famille et pour moi-même. Ta première pensée était à ta famille? Oui, c'est la plus importante, et après pour mes coachs. Considères-tu cette victoire comme un aboutissement ou avais-tu déjà d'autres objectifs dans la tête? J'avais d'autres objectifs comme les championnats d'Europe, les Foges et les championnats du monde, et j'espère que l'équipe de France va me sélectionner pour ces trois compétitions très importantes pour moi. Troisième à la Coupe d'Europe, est-ce au moment encore plus fort que ton titre de champion de France? Bien sûr que oui, puisque je combats contre des filles à l'international. Contre d'autres pays, je représente la France, donc c'est une grande fierté pour moi. Donc en fait, au fur et à mesure des compétitions, ton émotion augmente? Oui. Ton plaisir aussi de combattre? Oui, tout le temps. Est-ce vraiment un moment particulier que la Coupe d'Europe? Oui, parce qu'on est ensemble dans un groupe de France et on représente le pays. Donc je suis fière et heureuse de représenter la France. Alors une question importante, tu es championne de France? Oui. Troisième de la Coupe d'Europe. Bon, il serait normal d'y penser, mais est-ce que toi tu penses à 2024? J'espère. Au JO de Paris? Oui, j'y pense tous les jours, je me bats pour ça et j'espère y être sur le tapis. Alors, fier du parcours de Juliette? Bah oui, tout le club est très fier d'avoir une combattante de ce niveau-là. Après voilà, c'est la force de beaucoup d'engagement de ça. C'est un exemple pour le club, ça t'aide donc à donner de l'envie aux autres judokas, je dirais? Oui, oui, c'est un vrai exemple au sens positif du terme, c'est-à-dire que ça fait 4 ans que j'entraîne ici, elle n'a pas raté un seul entraînement. Donc voilà, ça fait vraiment valeur d'exemple sur l'engagement qu'elle peut mettre à l'entraînement. On a posé la question à Juliette, mais en tant qu'entraîneur, penses-tu qu'elle peut ou doit aller aux Jeux Olympiques en 2024 à Paris? Ben ça, c'est elle qui a la clé. Je pense que c'est peut-être un petit peu prématuré de penser à ça. Par contre, ce qui serait une erreur, c'est de ne pas y penser. Donc oui, il faut y penser, mais ce n'est pas l'objectif prioritaire tout de suite. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle fasse pour qu'elle soit championne olympique? Surtout qu'elle continue sur sa lancée, parce qu'elle a une progression constante, régulière, et avec l'engagement qu'elle peut mettre encore une fois sur ses entraînements, voilà, elle optimise son potentiel, donc elle a tout pour réussir. Alors on a posé la question à quelques judokas et judoka, est-ce que tu peux nous dire un petit défaut et la qualité de Juliette? Je sais pas, son mauvais caractère, et ça on le met dans les deux cases. Merci Mathieu.